Les vainqueurs des 74e Hunger Games, Katniss Everdeen et Peeta Mellark. Elle n'est pas celle qu'il croit. Elle veut juste sauver sa peau. C'est aussi simple que ça. Mais elle est devenue leur lueur d'espoir. Alors elle doit être éliminée. Hunger Games, l'embrasement, est l'adaptation du second roman de la saga littéraire prophétique de Suzanne Collins. Rescapés des 74e Hunger Games, Katniss et Peeta sont réquisitionnés pour célébrer leur victoire dans les districts. On zoom. Katniss Everdeen est un symbole. Nul besoin de la détruire, il suffit de détruire son image. En leur montrant qu'elle est des nôtres. Dans cette suite, nous explorons l'idée de stress post-traumatique à travers des flashbacks, des souvenirs de terreur. L'héroïne a beaucoup changé. Voici Katniss Everdeen, la fille du feu! Mon personnage tient à ces gens, à l'aider leur. Elle veut les mener à la bataille. En même temps, si elle n'éteint pas cette révolte, elle perdra sa famille et des choses extrêmement graves arriveront. Les gens t'observent, Katniss. Tu leur as offert une chance à eux d'être assez courageux pour la saisir. Hunger Games, l'embrasement, parle de la responsabilité de changer les choses pour celui qui en a la possibilité. Katniss doit ainsi décider de devenir ou non une héroïne, un symbole. T'es leur modèle, Katniss. Mais je ne peux pas être leur modèle. Je ne peux pas les aider. On a ouvert notre univers. On voit plus de districts. Pareil pour le Capitole. L'arène est flambant neuve. On analyse les séquelles que le jeu a infligées à nos héros. Les fans vont être comblés. Il faut qu'on s'enfuit avant qu'ils nous tuent. Car ils vont nous tuer. Oscarisée pour Happiness Therapy, Jennifer Lawrence a vu son cachet de 500 000 dollars du premier Hunger Games passer à 10 millions pour cette suite. Une paille, on regarde les 130 millions de budget de ce blockbuster, plus intelligent que la moyenne. Allez-y.